Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va concerner aujourd'hui une Golf 5 1.9 TDI de 105 chevaux. Donc elle est de 2005, avec l'accord d'un des membres du forum Volkswagen sur Facebook qui a accepté que je fasse cette vidéo. En fait, il a eu une bonne affaire, on lui a donné une Golf 5 qui n'avait pas roulé depuis très longtemps. Donc il lui a fait une révision full complète chez Volkswagen. C'est une voiture qui est à 180 000 km, donc vraiment une voiture qui est nickel, l'extérieur rien à dire, l'intérieur était nickel. Donc il a fait disque, plaquettes, vidange, purge du circuit de frein, il a changé le liquide de frein, changé tous les filtres à air, filtre à huile, filtre à gasoil, etc. Il a rechargé la clim, enfin il a fait beaucoup de travaux. Et il a commencé à rouler avec pour aller au boulot. La première voiture qu'il avait eue, c'était une Peugeot 206. Donc 1,4 litre HDI, il me semble. Et bon, il me disait, bon, la voiture fonctionne bien. C'est-à-dire, le passage des vitesses est nickel. Il avait fait une vidange de boîte. Il me trouvait que le turbo chargeait assez tard. Donc il m'a expliqué, il me demandait. Il me dit, il n'y a pas de perte de puissance en soi. Il m'a dit, est-ce que c'est normal que le turbo charge aussi tard? Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé à combien charge le turbo. Donc il a fait des essais. Et il m'a dit, quand je m'engage dans le rond-point, le couple moteur, il arrive que à partir de 2700-2800 tours. Donc c'est assez tard. Donc je lui ai dit, ramène-la chez un garage. Peut-être tu as une fuite au niveau de ton collecteur, ça peut arriver. Ou peut-être que tu as une fuite. Ils ont tout contrôlé. Ils ont contrôlé la pression dans le circuit d'admission. Ils ont fait un contrôle avec une machine à fumer pour regarder est-ce qu'il y a des fuites. Il me disait qu'il y avait 2-3 fuites, ils ont réparé les fuites, mais il m'a dit que le problème était toujours là. Au final, le problème, en fait, il venait du boîtier que je vais vous montrer juste après, du boîtier où sont branchées toutes les dépressions. Il n'y avait pas de fuite au niveau des dépressions. Le turbo, il avait zéro jeu. Il n'y avait pas de fuite, rien du tout. Mais le boîtier a eu un problème, je ne sais pas quoi. Il n'y avait aucun défaut au diagnostic, aucun problème. Quand il a changé ce boîtier, il a juste changé le boîtier. Dès 2000 tours, il avait déjà le couple moteur. Donc la voiture refonctionnait impeccable. Donc il n'avait pas de perte de puissance en soi. C'est juste que le turbo chargeait trop tard. C'est ce boîtier-là qui contrôle la wastegate de turbo. Et s'il a eu un problème en interne, la dépression se faisait mal et le turbo chargeait bien trop tard. Donc je vais vous montrer le boîtier qui avait le problème sur sa Golf 5. Donc voilà le boîtier qui faisait défaut sur sa Golf 5. Et parmi les dépressions, il y a une dépression qui va au turbo. Donc le défaut venait clairement non pas du tuyau, non pas du turbo, non pas du circuit de suralimentation, mais bien de ce boîtier-là en question. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, vous abonner. On se dit à une prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.